Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez tous demandé, c'est la SH Figure Naruto de chez SH Figure tout simplement. Je l'ai acheté à la Manga Story à Lyon. Moi je l'ai déjà ouvert, j'ai même fait un TikTok les gars. Et voilà, on m'a vraiment demandé de partout sur Insta et TikTok de faire une vidéo. Alors let's go les gars, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis les gars, sans plus attendre, let's go pour le visuel. Bon du coup voilà, le peuple m'a demandé de faire l'unboxing. Du coup c'est parti, on perd pas plus de temps. Moi les gars, pour moi c'est déjà pas une surprise, mais croyez moi que j'étais choqué de la figurine. Voilà, alors regardez comment elle est super stylée. Voilà la nouvelle Naruto 3.0 ou 4.0, je sais plus tellement qu'il y en a eu. Elle est super stylée, la tête très bien réalisée. Le corps, c'est tout simplement la tenue de Naruto. Le nouveau système d'articulation des SH Figure Art, il est trop bien fait sur les Naruto. Je sais pas pourquoi, ça rend super bien, c'est super stylé. Les chaussures super bien réalisées, super propres. Le pantalon avec le petit bandeau et tout ça, voilà. Voilà le ventre, le petit gilet bien fait. Le petit logo des Uzumaki derrière, on a le bandeau qui est articulé que sur l'avant et derrière. Et tout simplement la tête qui est tout simplement super bien fait. Voilà. Le gros point fort les gars de cette SH Figure Art, c'est les articulations. C'est vraiment incroyable. On a une très bonne articulation ici au buste. J'aime beaucoup beaucoup. On a aussi à la tête. Voilà. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont fait en deux parties la chevelure, ce qui permet d'être plus articulé. Par exemple, si je prends Itachi, on n'a pas ça. On n'a qu'une seule partie de la chevelure. Du coup, ça fait que c'est pas beaucoup articulé. Que là, voilà, ça fait deux fois plus articulé. Et ça, c'est super bien. Les bras, c'est parfait. Voilà aussi. Les jambes, on peut monter jusqu'à là. Voilà. Là, ici, on peut monter jusqu'à là. C'est énorme, les gars. Les articulations, c'est vraiment une des plus articulées maintenant. Regardez-moi ça, hop là, hop là. L'articulation, on est très très bien. Voilà, ceux qui kiffent jouer, faire des posings comme moi, c'est bon, vous êtes régalés, vous avez tout ce qu'il faut les gars. En visage les gars, on a ça. Voilà, grosse masterclass bien évidemment. Ils ont fait le visage de Kyuubi et ça c'est super bien. Il y a un autre visage qui sourit. Attendez, le petit focus, voilà. Il rend super bien, très bien réalisé. On a des bras croisés. On a le petit Rinnegan, voilà, arrondi, voilà, super stylé. On a un autre petit visage genre funny, ça c'est super cool, ils ont fait un visage amusant. Franchement c'est incroyable, vraiment, les deux visages là, c'est deux masterclass. Franchement on n'a pas trop ça en général dans les SH Figure Art, et là ils ont fait l'effort, c'est super stylé les gars. On a un autre visage mais énervé, voilà, pas trop expressif mais c'est énervé, stylé. Et après voilà, on a plusieurs mains, y compris le petit kunai qui est juste ici. Voilà ce que ça fait en accessoire, on est vraiment plutôt pas mal. Du coup les gars, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre le visage de Kyuubi, bien sûr, c'est le plus stylé. En plus, vu que on l'en a jamais eu, ça fait que c'est qu'on va direct la mettre tous. Hein. Regardez comment ça rend, super bien. Voilà, je vais faire un petit posing quand même, ça va être plus stylé. Vite fait, regardez-moi ça. Regardez comment c'est super stylé. Franchement, ça rend super bien, les gars. J'aime beaucoup cet SH Figure Naruto. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça fait très longtemps qu'on attend un retour des SH Figure Naruto, parce qu'ils avaient arrêté. Et elles étaient devenues tous super rares. Mais là, on a du très, très beau matos. Là, les gars, avec moi, j'ai la ancienne version. J'ai fait une custom. Elle m'avait un peu saoulé parce que, regardez, elle n'a pas d'articulation là. Que là, par contre, là, c'est totalement différent. Voilà, ça change tout. Ça veut dire que même si je voulais faire cette position, ça rendait pas pareil. Regardez, je vais essayer de la faire, regardez. Regardez. En fait, on n'a pas d'articulation là, du coup, c'est pas beau en fait. Je sais pas si vous voyez le délire. Mais sinon, voilà. Ça, c'est une custom que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez les détails, hop là. Voilà, j'ai pas fait le sang par contre sur la tête. Mais voilà, voilà. Bref, on reprend la SH Figure Naruto. Voilà, qui est super stylée. Un truc que j'adore faire les gars, c'est prendre la Itachi, la cape que j'ai acheté sur AliExpress pour ceux qui sont intéressés. Regardez comment ça rend super bien avec le Kyuubi, ça fait un style de Naruto méchant. En gros on met comme ça, voilà. Regardez comment ça rend, moi personnellement je trouve ça rend trop stylé. Ça fait un Naruto méchant, si Naruto il aurait été du côté obscur, voilà ce que ça ferait. Ça rend super bien les gars, je suis très fier de cette SH Figure Art. Franchement je suis fier d'eux, ils ont fait du très beau taf et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire vous.
Je vais essayer de refaire encore un autre petit posing avec, allez, pourquoi pas le Rinnegan. Voilà, j'ai mis, hop là, on fait comme ça, comme ça, comme si genre en mode il fonçait sur quelqu'un. Hop là. Regardez. Voilà, super stylé. Bref, je vais enlever la cape parce que c'est pas... ça, c'est juste un truc personnel que j'aime beaucoup faire. Mais sinon, les gars, voilà ce que ça donne. Hein. C'est super, super stylé. Voilà. Comme je vous ai dit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez besoin de questions, il y a mon Instagram. Voilà, comme d'habitude, les gars. J'essaye de répondre à tout le monde. J'ai beaucoup de messages, mais j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Voilà, du coup, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vais vous faire des posings. Et puis bah ça va être déjà la fin de cette vidéo. Likez si franchement vous kiffez la figurine et si la vidéo elle vous plaît. J'essaye de pas faire des vidéos trop longues. Sur ce les gars, c'était Wall Thunder et à très bientôt pour de très prochaines vidéos les gars.